Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour cette fois-ci vous faire un Get Ready With Me. Donc je vais me maquiller avec vous, j'ai quelques petites nouveautés à tester avec vous à la caméra, j'ai genre deux produits à tester, j'ai le produit de la marque Sephora, le Colorful Special Effect que j'avais pris en teinte 11, donc il m'a l'air vraiment très sympa, et j'ai également le nouveau mascara de chez Anastasia à tester avec vous. Je ne l'ai encore jamais testé, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un maquillage avec la palette Amrezy de chez Anastasia. Je vous l'ai présenté dans mes favoris dimanche dernier. Et du coup, j'avais envie de vous faire un petit maquillage avec. Je me suis inspirée, pas encore. Mais du coup, j'ai vu une photo que... Enfin, maquillage, une vidéo. J'ai vu une vidéo de Marion Caméléon, donc je crois que c'est une de ses dernières. J'ai vu la dernière vidéo de Marion Caméléon, bon, c'est peut-être plus sa dernière maintenant, mais c'était sur un maquillage qu'elle a fait avec ses produits favoris de la marque Anastasia, et j'ai vu ce maquillage là, je sais pas du tout si vous allez bien voir, mais j'ai beaucoup aimé le maquillage de la vidéo, donc je vais essayer de le reproduire, ça va être parfait, parce que j'ai clairement pas son talent, mais je vais essayer de m'inspirer dans tous les cas. Donc c'est parti pour le maquillage. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il faisait 40 degrés dans ma chambre, j'ai tout le temps chaud, c'est hyper chiant. Du coup je vais appliquer ma base de teint, je vais appliquer la base de chez Essence, donc c'est la Pore Minimizer Primer qui est verte, donc c'est pour les rougeurs. J'aime beaucoup cette base, je la trouve vraiment très sympa, donc en fait elle est verte du coup quand on la sort, et je l'applique du coup un peu sur tout le visage, mais surtout sur la zone T. J'aime bien cette base parce que je trouve qu'elle rafraîchit, elle a une odeur fraîche d'agrumes, et je me lave toujours les mains avant de me maquiller, du coup j'ai les mains fraîches, et du coup avoir les mains fraîches plus cette base, c'est très agréable. Je trouve pas honnêtement qu'elle floute très bien les pores, elle les floute un petit peu mais c'est pas un truc de fou, mais j'aime bien j'aime beaucoup l'aspect qu'elle donne à la peau, je trouve ça vraiment très sympa. J'applique mon fond de teint, donc j'applique le infaillible 24h Fresh Wear de chez L'Oréal que j'aime bien, j'ai la teinte numéro 130. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'aime beaucoup. Je trouve que la couvrance est quand même modulable. Il est léger quand même sur la peau, on le sent pas. Ce qui est quand même plutôt agréable. Et j'adore le rendu qu'il a sur la peau. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer, le rendu est vraiment beau. Il est un petit peu foncé pour moi, je pense que vous allez le voir. Mais j'aime bien le porter quand même. Il est pas non plus très foncé, mais voilà, il est un petit peu plus foncé. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne qui est le infaillible de L'Oréal. Donc moi j'ai la teinte 323 Chamois. C'est un anti-cerne qui est beaucoup comparé au Shape Tape. Moi je ne trouve pas qu'il soit similaire au Shape Tape. Peut-être son embout, mais l'embout du L'Oréal est beaucoup plus dur que le Shape Tape. Mais ouais, c'est un bon anti-cerne quand même. J'aime bien l'appliquer. Je vais l'appliquer sur mes points lumière. Puisque comme je vous dis, le fond de teint est un petit peu plus foncé. Hop. Et du coup, je vais l'estomper avec mon éponge. Le fond de teint et le lanticerne se mélangent vraiment très bien ensemble, j'aime beaucoup le résultat. Donc là j'ai l'impression que ça fait des trucs bizarres, mais non. Je vais donc appliquer ma base que j'ai perdue. Non, là. Je vais donc appliquer ma base à paupières. Je vais utiliser la Anastasia aujourd'hui puisque je vais utiliser la palette Anastasia. Donc j'en prends un petit peu. Je vais poudrer mon teint ensuite avec la poudre Airspun de Coty que j'aime énormément. Je vous en parle tout le temps de cette poudre. C'est vraiment ma préférée. Je crois qu'honnêtement, il n'y en a aucune qui la détrône. Et du coup je vais poudrer tout à la houppette, j'aime bien. Je trouve que ça poudre beaucoup mieux, on dépose plus de matière et ça floute un peu les imperfections. Le surplus qui me reste de poudre du coup dans le couvercle, c'est mouillé. Je vais prendre un pinceau et je vais bien vraiment flouter et mettre la poudre sur tout mon visage. Style comme d'habitude avec le gel de Benefit, le brossetteur. Je vais prendre un miroir, je ne vois rien. Du coup, aux yeux, je vais garder la photo pour m'inspirer. Je vais prendre ce pinceau-là de je ne sais pas quelle marque, de la marque Morphe, et je vais prendre le fard sans ça. Je ne me rappelle plus très bien son tuto, mais comme je vous dis, j'essaye de m'inspirer. Enfin, c'est vraiment les couleurs que je vais appliquer. Mais voilà. Hop. C'est plutôt pas mal.
j'aime bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est un peu plus étiré là. New Worker et une fois qu'on en est là, je vais foncer du coup mon coin externe avec le fard comme ça, en coin interne, externe pardon. Le cendre. Mais en restant concentré quand même sur le coin externe. Tomber et intégrer le fard, j'ai l'impression qu'il ne s'intègre pas du tout. Là je reprends mon pinceau où j'ai appliqué la première couleur, donc la rose, et du coup je vais bien fondre le fard ensemble. Hop, donc il faut vraiment bien estomper comme ceci. Du coup là je vais faire mon bras de cils en fait pour en fait je vais reporter les couleurs que j'ai appliquées en haut du coup en bas. Je vais prendre pour ça un pinceau. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Dégradé en dessous en fait pour vraiment que ça fasse un dégradé. Les fards sont très poudreux, mais ils sont tellement bien pigmentés. Le fard Wasted, et je vais l'appliquer du coup en coin interne. Je vais un peu dégrader. Ici. Et du coup je vais l'appliquer aussi sous l'arcade sourcilière. Contre que j'ai laissé libre, je vais appliquer le fard de chez Sephora. Je ne l'ai jamais appliqué sur les paupières. Normalement Marion elle applique le fard Léo, mais du coup je vais appliquer celui-ci. Je vais voir ce qu'il donne. Hop, je vais l'appliquer directement avec l'embout du coup. Ah c'est pas mal. Le fard en fait qu'il y a dans la palette, le Léo. Je vais voir ce que ça donne. Ah oui. Oh, il est beau. Je pensais qu'un pinceau plat qui n'a pas forcément de marque, hein, c'est un pinceau plat tout classique. Hop, et je vais l'appliquer du coup dans l'espace libre. Il est magnifique ce fard, je ne l'avais jamais utilisé. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc il fait pas mal de chutes comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, j'aime beaucoup beaucoup le résultat. Je vais un petit peu dégrader du coup les couleurs, en fait le bleu et le rose, que là c'est un petit peu, ça fait un peu une barre. Je vais dégrader avec le pinceau comme ceci. Voilà. Je vais peut-être prendre plutôt un pinceau propre, ça sera mieux. Là par dessus je vais appliquer le fard Sephora pour apporter un petit peu plus de reflets, puisque je sais pas, de petits reflets. Et du coup je l'applique par dessus, donc là ça va rendre un effet un petit peu plus violet métallisé, qui n'est pas sans me plaire. Je sais pas si vous allez voir la différence, il est vraiment très beau. Je vais reprendre mon pinceau boule comme ceci, et du coup je vais prendre le fard Waste pour le coin interne. Je vais prendre du spray fixant pour l'appliquer, parce que j'ai peur qu'il fasse des chutes. Donc voilà ce que ça donne pour le travail des fards. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Je trouve ça vraiment très très joli. Je vais appliquer du mascara. Du coup, on va tester ensemble. Je l'ai perdu. Mascara du coup de chez Anastasia. Je vais pas mettre forcément mon mascara. Je vais appliquer du coup un trait de liner noir en fait sur le ras de cils. Je vais juste suivre ma ligne de cils. Et donc là, nous allons tester ensemble le mascara d'Anastasia. Je ne l'ai jamais testé, donc c'est le... C'est le Lash Brag, je sais pas du tout ce qu'il vaut.
Donc niveau de la brosse, elle est plutôt classique en fait, c'est une brosse comme ceci, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Et du coup on va voir ce qu'il donne sur les cils. La texture elle est un petit peu sèche, c'est bizarre. Résultat, je sais pas du coup si vous voulez voir, enfin si vous voyez un petit peu une différence. Ça fait vraiment bien, ça sépare bien les cils, mais ça les rehausse aussi, vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup le mascara, je le trouve vraiment très très beau, je trouve qu'il m'a apporté longueur et volume, mais il m'a aussi défini les cils, il n'a pas du tout collé les cils entre eux, donc j'aime vraiment beaucoup. Par contre j'ai des mascaras qui ont des résultats quand même plus volumineux que ça, mais j'aime beaucoup beaucoup le résultat, je trouve ça vraiment très joli. Du coup là on va continuer le teint ensemble, je vais du coup appliquer ma poudre du coup sur tout le visage, donc là Too Faced, j'ai déjà poudré mon teint pour le matifier, mais j'aime bien quand même avoir le teint lumineux. Du coup j'applique la poudre du coup du centre un peu partout sur mon visage, vraiment sur les côtés en fait extérieurs. Donc vraiment sur les joues comme ça, j'aime beaucoup beaucoup le résultat de cette poudre. Et un petit peu sur le front comme ceci. Hop, cette poudre est vraiment vraiment très très beau, vraiment lumineux mais très léger. Je vais ensuite appliquer mon bronzer, je vais utiliser le Wet n Wild aujourd'hui, j'avais envie d'appliquer celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé et j'utilise toujours mon pinceau de chez Sananas X Sephora que j'aime beaucoup. C'est un petit pinceau comme ça, vraiment très cool. Et du coup je vais l'appliquer ici pour réchauffer mon teint. Il y a des petites peluches sur le visage bizarre. Hop. Je sais pas du tout si vous allez voir la différence, mais moi je la vois, j'aime beaucoup beaucoup le résultat. Donc ce que j'aime bien avec ce bronzer, c'est qu'il a un peu des sous-tons froids, il n'est pas complètement chaud. C'est ça que j'aime beaucoup, la teinte est vraiment sympa. Je vais en appliquer un petit peu sur le front. Puis j'applique un blush de la palette Love Glow de Natasha Denona. Vous savez que j'aime énormément cette palette, je la trouve vraiment très jolie. Et du coup je vais appliquer, du coup je vais faire un mélange, je vais prendre le blush crème et ce blush là en haut, je l'applique avec un pinceau, tout ce qu'il y a de plus classique hein, de chez Fraulein. Donc, vous savez que c'est les pinceaux qu'on ne retrouve absolument pas, mais que j'aime énormément. Et je vais l'appliquer du coup sur mes joues. J'aime beaucoup ces blushs, je trouve qu'ils se diffusent à merveille sur les joues, ils sont vraiment beaux, merveilleux quoi. Je trouve que je suis quand même assez contente du résultat. Hop, donc on va rajouter, je vais rajouter un petit peu le rose en fait par dessus. Hop, on n'a jamais assez de blush. Et ensuite en enlumineur je vais appliquer le du coup le Tickle de Benefit. Je crois que, ouais je me suis trompée dans ma dernière vidéo, j'ai mis le Twinkle, mais c'est le Tickle que je trouve vraiment très beau. Hop, je sais pas si vous allez voir la merveille de cet highlighter, il est vraiment beau. Il est vraiment vraiment beau cet highlighter. Je fixe toujours mon teint avec une brume. Aujourd'hui j'avais envie d'utiliser la brume de chez Kiko, la Party All Night. Je sais pas du tout si vous pouvez la retrouver, mais je trouve que cette brume est vraiment sympa. Le vaporisateur est pas super agréable, mais je trouve que c'est une très bonne brume qui fixe votre teint tout en laissant cette lumière subtile. Je vais appliquer mon rouge à lèvres, je sais pas du tout ce que je vais appliquer, j'ai emmené tous mes rouges à lèvres, je sais pas du tout lequel je pourrais mettre chez Huda Beauty, qui est je pense mon gloss, enfin mon rouge à lèvres mieux préféré. Je trouve ça vraiment très joli. J'ai appliqué par dessus mon rouge à lèvres de gloss, donc j'ai utilisé le Fenty et le Kiko un petit peu holographique, que je trouve vraiment très joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que le make-up ressemble à celui de Marion Caméléon. Tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!